J'ai vécu 2 années exceptionnelles de parcouru le pays, des montagnes de Manara aux vallées de la Dramaout, de l'île de Socotra à Aden, en passant par le palais de Tarim et de Shibam. Et de cette expérience yéménite, j'ai également découvert des us et coutumes, la plus connue d'entre elles étant le kat, cette boule que les personnes mâchent à longueur de journée pour passer le temps et créer du lien social. Si je suis allé au Yémen, c'est d'abord et avant tout pour travailler dans une société qui développait un service qui peut paraître assez peu innovant d'un point de vue français, du chat par SMS. Ce service absolument révolutionnaire permettait aux hommes et aux femmes de discuter. Dans un pays où l'organisation masculine et féminine est totalement séparée, que ce soit à la mosquée, dans les transports, dans les restaurants, imaginez un service où les gens peuvent partager ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, partager leurs pensées privées. Et c'est pour garantir la qualité du service, qui était une vraie rupture sociale dans le pays à l'époque, que j'y suis allé. Et donc, mon travail a consisté à fluidifier le service pour augmenter les mois durant. J'ai pu assister à l'augmentation du trafic. Plus nous progressions dans la maturité technologique, plus il y avait d'utilisateurs du service, avec des gros pics d'activité, notamment pendant les périodes de Ramadan. De cette croissance, là où nous sommes partis avec une équipe de deux, j'ai recruté des gens, augmenté l'équipe, et nous avons augmenté également notre niveau d'activité. Le marketing, les offres commerciales. Comme c'est moi qui étais à l'initiative, j'ai commencé à accumuler les responsabilités et petit à petit, les astreintes s'enchaînant, je suis arrivé au bord d'une rupture parce que je n'arrivais plus à gérer l'ensemble des travaux qui m'étaient demandés. Il fallait donc que ça change et après quelques recherches sur Google, j'ai trouvé quelque chose. L'agilité. Dans un livre blanc qui est XP depuis les tranchées. Ce que ce livre nous explique et nous présente est une méthode, Scrum, organisée pour construire un projet, un produit. Ce produit, nous allons le décomposer en backlog. Ce backlog sera géré par un acteur qu'on appellera un product owner. Et la vie du projet est organisée en itérations qui ont toutes la même durée, fixe et constante. Toutes les itérations sont organisées de la même manière. Elles démarrent par un planning d'itération. Tous les jours, l'équipe de réalisateurs se synchronise dans un daily meeting qui dure une quinzaine de minutes. Et à chaque fin d'itération, nous livrons un incrément de produits. Après la livraison, l'équipe fait sa rétrospective pour voir comment est-ce qu'elle peut s'améliorer. Ça a été une vraie révélation. J'ai trouvé changer mon modèle managérial pour découvrir ce que veut dire le mot délégation, c'est-à-dire passer d'une organisation pyramidale où c'est moi qui décide et mon équipe qui exécute ce que je décide, à une organisation circulaire où je délègue de l'autonomie, où je délègue de la responsabilité à des gens qui, culturellement et historiquement venant avec une forte consonance tribale, n'étaient pas forcément préparés et n'ont pas forcément accueilli cette délégation avec le même esprit positif que ce que je pouvais avoir. Les situations géopolitiques évoluant mal, je suis rentré et dans le nouveau poste que j'occupais, dans une société de service, j'ai développé et je me suis beaucoup plus intéressé à cette notion d'agilité. J'ai cherché les origines, l'historique, et je suis tombé sur un des livrables fondateurs de l'agilité qu'on appelle le manifeste agile, qui présente
une série de valeurs et de principes à respecter pour mieux développer des logiciels. Car oui, c'est bien de l'informatique que cette notion d'agilité émerge le plus. Malheureusement, à trop tendre vers du logiciel, on imagine que cette agilité ne peut pas s'appliquer ailleurs. Je vous invite donc à lire ce manifeste en remplaçant le terme logiciel par produit. Et dès lors, l'agilité, qu'est-ce que c'est ? Simplement une équipe qui s'organise, qui s'auto-organise pour délivrer en permanence et en continu de la valeur à ses utilisateurs et qui, pour y parvenir, va s'améliorer en permanence, en toute simplicité, évidemment. Quand je présente ce manifeste agile, les gens voient surtout du bon sens et ne voient absolument pas où se trouve la rupture. Elle est pourtant bel et bien là. Nous avons un héritage philosophique, industriel, qui s'inspire d'une pensée dite constructivisme, c'est-à-dire en différentes étapes pour pouvoir arriver à la construction de cette idée finale. Un modèle qui fonctionne particulièrement parce que nous savons précisément ce que nous voulons, mais qui souffre d'un seul défaut, c'est le changement. Et si nous évoluons dans un environnement, ce que nous allons obtenir avec ce type d'approche sont des produits qui sont pas forcément qui peuvent être incomplets, pas dans les temps, et qui dépassent les budgets, ce qui est un mal que nous observons beaucoup dans le domaine logiciel, mais aussi dans d'autres industries. Un modèle simple, qu'est-ce que c'est ? C'est un modèle dans lequel nous maîtrisons ce que nous voulons faire techniquement, ce que nous avons défini de faire. Donc je sais ce que je veux faire et comment je veux le faire. Et dans ce type d'environnement, des approches simples, linéaires, vont être tout à fait adaptées. Dans des environnements complètement inverses, c'est-à-dire je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas comment je le veux, des environnements plutôt chaotiques, des approches linéaires vont être particulièrement inadaptées. Heureusement pour nous, ou malheureusement, aujourd'hui, les organisations, le monde, qu'on soit pour ou contre, nous amènent à vivre et à subir, ou à subir la complexité. Et donc c'est à cet enjeu que l'agilité répond, d'adresser comment est-ce qu'on adresse un monde complexe, un monde vulnérable, incertain, ambigu, quels sont les procédés qu'on peut se donner ? On peut, par exemple, revisiter fondamentalement notre manière de dresser les produits. De fonctionner, par exemple, en itération. Ce sont des itérations. Des itérations qui vont nous permettre, à chaque fin, de livrer un produit. Plus je livre mon projet, plus je montre mon produit, plus je vais avoir des retours, ce que nous allons appeler des boucles de feedback. Des boucles de feedback qui vont être positifs, négatifs, et donc qui vont me permettre d'améliorer, de bonifier mon produit. Donc plus je teste, plus je fais des erreurs, plus je fais des erreurs, plus je vais pouvoir tester et plus je vais pouvoir améliorer ma façon de travailler. L'agilité, souvent, est vue à travers le prisme de ce processus, mais au-delà du process, ce qu'il va falloir changer, transformer, faire évoluer, et c'est l'invitation que propose cette agilité, c'est que le bénéfice de ce processus, c'est avant tout la transformation et la discipline collective que l'équipe va pouvoir se donner. Une équipe à qui nous allons donner de nouvelles prérogatives. Comment est-ce qu'elle va atteindre sa performance ? Bruce Tuckman, dans son modèle de formation des équipes, nous explique par quelle phase une équipe va passer. La première phase s'appelle la phase de formation. Mettre les gens ensemble, et pendant cette phase-là, chacun réfléchit par rapport à lui-même. Évidemment, tout le monde imagine la dernière étape, la performance, performing, c'est-à-dire des gens alignés, performants, efficaces,
qui savent gérer différentes situations vers un objectif et qui partagent un objectif commun. Il y a des étapes qu'on oublie parfois. C'est qu'après la phase de formation, l'équipe va rentrer dans une phase dite de storming. Phase de storming, une phase de temps. Je prends conscience des autres et de l'enjeu global et que j'ai besoin, moi, individuellement, d'exprimer mes propres règles. J'ai besoin de trouver une forme de stabilité. Cette phase conflictuelle, plus ou moins importante, va nécessiter des compromis, de l'écoute. Et lorsque l'équipe arrive à installer ces pratiques-là, d'adaptation, elle peut rentrer dans une phase de normalisation. Une phase de normalisation, c'est-à-dire des règles collectives partagées qui vont, à force de pratique et à force d'entraînement, permettre d'atteindre la performance. Le modèle de Tuckman intègre également une dernière étape qui s'appelle aborting, c'est-à-dire la dissolution de l'équipe. L'agilité dit donc qu'une équipe va et dans les organisations dans lesquelles les équipes ne sont pas habituées à ça, cette nouvelle pratique va être vue et va impacter d'autres espaces de l'organisation qui sont en interaction avec l'équipe. En premier lieu, les managers. Comment moi, en tant que manager, quel est mon rôle vis-à-vis d'une à toutes les prérogatives aujourd'hui? Qui peut s'autodéterminer? Comment est-ce que je vais faire pour travailler? Et les RH également, les ressources humaines. Comment est-ce qu'on rencontre une équipe? Comment est-ce que j'intègre un nouveau collaborateur dans mon équipe? Comment est-ce qu'il va contribuer à la performance? Cette agilité va donc poser des questions simplement de la façon de produire, mais va poser des questions d'ordre systémique. Est-ce que mon système est prêt à accueillir des nouvelles façons de procéder? La systémique des organisations, Virginia Satir, psychothérapeute américaine qui a travaillé dans les années 70 sur les thérapies familiales, a posé les bases des ruptures systémiques qui forment la base aujourd'hui de toutes les démarches d'accompagnement au changement. Nous explique que tous les systèmes sont dans un état que nous allons appeler un statu quo. Il est bien, pas bien, peu importe, c'est un état de performance. Lorsque ce système est soumis à un événement extérieur, par exemple la mise en place de l'agilité, l'étape qui suit immédiatement est une phase de résistance. Cette phase de résistance, dite aussi de phase d'homéostasie, qui attire notre attention sur le fait que l'agilité ne peut pas être une approche dont on va essayer de convaincre les gens, mais plutôt qu'on va essayer d'expliquer pour limiter la résistance au changement. Car derrière cette résistance au changement, il y a une dans un creux où on ne sait plus, on sait ce qu'on perd et on ne sait plus ce qu'on gagne, ce que nous allons appeler la vallée du désespoir. Et il est du rôle de l'agilité et des équipes d'accompagner la construction et la nouvelle façon de statu quo. Et c'est uniquement par ce procédé que nous allons pouvoir déployer l'agilité dans les organisations. Pour attirer l'attention, pour bien faire comprendre les enjeux, les impacts et comment les personnes vont pouvoir se saisir de ces sujets-là, on travaille sur des pédagogies alternatives. Il y a donc une vraie rupture pédagogique en cours qui consiste à utiliser, à revoir les modalités pour mobiliser intellectuellement, des nouvelles techniques, des nouvelles pédagogies, par exemple les pédagogies inversées, les techniques de coaching, et des pédagogies visuelles, comme la facilitation graphique, par exemple. Ces pédagogies ne sont pas... Cette rupture pédagogique n'est pas seulement dans les organisations,
et elle est également déployée en une vitesse record dans les universités. Il est peu probable aujourd'hui que vous ayez un étudiant qui n'ait pas de coureur d'agilité. C'est dire à quel point cette cursus universitaire aussi rapidement, c'est-à-dire en moins d'une dizaine d'années, elle est importante parce qu'elle répond à une absence, c'est-à-dire l'apprentissage du collectif, l'apprentissage du travail ensemble. L'agilité, c'est avant tout apprendre à développer de la valeur en permanence, apprendre à entretenir son bien-être et celui de son équipe, tout en gardant un œil aguerri et professionnel sur les outils et les procédés qui vont nous permettre de garantir la performance. L'agilité vous invite donc à une succession de ruptures sur chacun de ces axes qui, mises bout à bout, vont vous permettre de recréer du mouvement dans les organisations.